C'est chez vous, très naturellement, très intelligent, vous n'aviez pas besoin de la scientologie. Et on vous a mis dans le crâne que si vous êtes brillant, c'est à cause de la scientologie. Ça fonctionne, subjectivement. Mais c'est pas vrai. Les vraies raisons qui font qu'en apparence ça fonctionne, et le temps pendant lequel ça fonctionne, parce qu'au bout d'un moment, 98% des gens qui sont rentrés sont sortis. Non, c'est pas vrai ça. Eh bien, comptez donc. Tiens, allez, trouvez-moi les 12 millions de scientologues qu'on dit. Moi, j'ai entendu parler, tenez-vous bien, j'ai entendu parler de 20 millions et en 1978. Ça fait 32 ans. Bah, toi, c'est en augmentation, certainement. Oh, non, j'ai entendu parler de 20 millions à l'époque. Oui. Oui. Maintenant, on parle de 12 millions, mais montrez-moi simplement 1000 à Paris un jour. Il n'y en a jamais eu. Vous n'êtes pas. Bon, si vous voulez en voir plein, vous venez à Saint-Tri et vous venez à Saint-Tri. Non, on parle de Paris là. Je suis allé à Copenhague là. Et je suis allé aussi aux États-Unis. Okay. Et vous avez vu le nombre qu'il y avait. Et bien justement, il y avait à peu près personne. Et les photos les photos tronquées. Mais à la fois. J'ai les photos, monsieur. Parce que tout le monde ne vient pas en même temps. Oh. Et les photos truquées, de la Réunion. Non, je parle même pas. Il y a aussi eu des photos truquées, mais c'est même pas la question. La plus grande réunion mondiale de scientologie dans le monde a eu lieu début de l'année 2000. Oui, c'est ça pour le millénium. Et ils ont dit qu'ils étaient 14 ou 15 000. Moi, j'ai compté, parce que j'ai compté sur une photo. Hein. On a les photos complètes par la scientologie. C'est pas nous qui les avons faites. C'est les votes, c'est vos documents. Ouais. C'est la plus grande réunion mondiale. Et il y en avait une presque similaire. Pardon. Un certain nombre d'années avant, ils avaient réussi à raconner des Européens, des Asiatiques, etc., et à une quantité d'Américains, Mexicains et autres, pour le fameux procès, dont vous l'avez aussi entendu parler, bien entendu, qui a eu lieu dans l'Oregon. Vous n'avez jamais entendu parler du procès de Portland, où la scientologie a été condamnée à 32 millions de dollars pour une certaine Christina... Christopherson. Ouais. Et Larry Wolverstein. Et là, évidemment, comme ça coûte un gros coup aux finances de la secte pourrie, eh bien, là, la secte est allée chercher et raconter tout ce qu'elle pouvait comme public crédible, des gens dans mon genre. Moi, je venais d'en sortir. Et j'ai des amis qui étaient des étudiants à moi, il y en a que vous connaissez probablement, par exemple, les Coursonnais, hein, les étudiants à moi. Et bien ces gens-là, ils sont allés se déplacer pour faire quoi? Pour défendre le mouton de la scientologie. Alors, après, attendez, ils payaient déjà assez cher quand même. Pourquoi est-ce que la scientologie ne peut pas se défendre toute seule? Elle n'a pas besoin de ça. C'est une affaire de fric. Rien que ça. Il n'y a que ça. Bon, j'ai été c'est assez patron pour que ça fasse du moins à la direction. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas bien. Bon. N'importe, il y a des personnes pas bien n'importe où. La France est comme des personnes pas bien. Non, mais attendez, laissez-moi écouter. Écoutez-moi. Je n'avance pas sur le sujet, je n'ai pas entendu tout. Donc, peut-être qu'il y a des personnes pas bien quelque part. Maintenant, si on prend le sujet, et là, je ne vais pas discuter avec vous à ce sujet parce que vous avez déjà une opinion arrêtée. Le truc, c'est que ça aide des gens. Je l'ai observé personnellement. Parce que moi-même, j'attire des effets. Pendant combien de temps il y a quelques prix? Ben, pas, je veux dire. Enfin, oui, ça coûte combien, une heure d'audition, par exemple? Ça coûte combien? Ça coûte beaucoup d'argent, peut-être. Plus de 300 000 euros, à l'heure actuelle. Maintenant, c'est... Vous voulez faire quoi? Vous allez les trouver où, les 300 000? Vous avez les moyens, un jour, de faire un hôtel? Ben, je vais montrer un temps. On essaie de vous les faire croire. Essaie de vous faire croire que vous aurez les moyens en faisant payer les autres. Est-ce que vous savez que vous êtes truffé de body tétans? D'après eux, là. Vous avez des body tétans, là, partout. Est-ce que c'est body tétans? Vous avez mal compris certaines années, en fait. Parce que, comme... Attendez, non, vous parlez à un ex des meilleurs traducteurs que la scientologie. Peut-être que vous avez beaucoup traduit, mais peut-être que vous avez mal compris certaines choses. Mais je peux toujours... Même les choses que vous avez traduites, Est-ce que vous connaissez un seul scientologue qui ne va jamais au Kremlin? Bah si, bien sûr, il y a des gens qui comprennent mal, ça c'est ok. Je veux dire, tous les scientologues, sans aucune exception, ont tous des mots malentendus. Et le premier mot malentendu, c'est déjà d'essayer de comprendre que si on étudie la scientologie, il faudrait vraiment vérifier tout ce que Dieu va. Et bien quand vous le relisez et que vous en êtes